Bonsoir à tous, belle bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle thématique que nous abordons toujours entre nous. C'est notre rendez-vous hebdomadaire du mardi soir. Merci à toutes les personnes qui restent fidèles au rendez-vous. Merci à tous ces mounes-là qui suivent nous, qui partagent l'émission-là. Et surtout, merci pour vos retours constructifs. On se retrouve, je le disais, comme toujours, avec une nouvelle thématique qui, j'en suis sûre, vous plaira. Toujours accompagnée de nos intervenants de qualité et de nos deux chroniqueurs qui sont toujours présents. On ne sait pas en petite forme ou en grande forme ce soir. On va vite le découvrir. Bonsoir la blablateuse. Qui j'en a? Ben, c'est moi la petite forme. Ah. Oui, c'est ça. J'ai attrapé le virus que tout le monde attrape en ce moment. Qui fait un peu le tour là. Qui fait le tour. Ouais. Ça virus, rebondit sur moi. Je ne sais pas si c'est vraiment un virus, mais bon, en tout cas, je suis. Tu as fait des imprudences. Voilà, c'est plus ça. Salut dans mes yeux, c'est que. Éloyé. Depuis tout le droit, non, il peut venir tout pour, il peut jouer pour moi. Depuis le matin, on m'a sorti Guyane là, à quand même bon season, alors. Tu sais. Ouais, c'est pas. Ouais. Pas peur, hein. Eh ben voilà. Asia, mais moi, je suis en pleine dedans. On lui dit Asia. Asia. Ouais, Asia. Dans la langue au Cameroun. Oui, tu commences déjà. Oui, c'est voilà. Ça, on commence déjà. Monsieur le parolier, en bon Dieu, bon, attends. Voilà. C'est mon tour. Eh bien sûr. Belle bonsoir, monsieur le parolier. Qui j'en reçois là? Belle bonsoir. Le caveau en pleine forme. Hein. Eh ben, ouais, ça va quand même. Ça va. Je salue tout le monde sur le plateau. Je salue ma femme, mes enfants qui me regardent. Et puis, Tati Louise, à tes promettes, vous en décrivez. Hein, ton Yvon? Bon, ben voilà, je fais passer le message. Comme toujours. C'est important. Et ben, pas oublier hein, qu'il y a des frérots qui sont prisonniers politiques. Ah oui. On n'oublie pas qu'il y en a qui sont maintenus en geôle française. Et que surtout, qu'il y a un d'entre eux dont la fille a été hospitalisée dans un état très grave. Au Nil. Que le juge a demandé à ce que le père puisse rejoindre son enfant. Mais que la police en Martinique refuse d'obtempérer. Oubliez ça, toujours être bandé. Oui, on n'oublie pas et c'est toujours l'occasion, l'opportunité de se rappeler voilà, les luttes que nous sommes en train de mener. Ça, merci beaucoup pour ça, Eros. Voilà, ben sur le plateau, des invités de qualité, comme je vous disais, une thématique qui, j'en suis sûre, va vous plaire. On pourrait le voir la question, parce que ce soir, nous allons parler de l'Afrique. J'ai posé une petite question là, en amont. Hein, une des invités n'était pas encore présente. Mais on m'a dit, la question a commencé déjà à cabécher, comme on dit. Voilà, on ne pourrait voir la question africaine ou porter un jugement sur l'Afrique qu'en se référant aux nombreux malheureux désastres, les personnes qui disparaissent en mer Méditerranée, dans le naufrage et leurs frêles embarcations, toutes les faits divers hein, que nous entendons. Mais, l'Afrique est sans doute le berceau de l'humanité. L'Afrique est démesurément riche en ressources naturelles et depuis déjà quelques années, de nombreuses personnes, en tout cas, tente de redorer l'image de l'Afrique, hein, de par les médias, les réseaux sociaux, hein, on parle de Safiane Joylaf, Aben Africa pour les nouvelles générations, qui font un travail démesuré pour montrer vraiment l'excellence de l'Afrique, montrer une autre partie du continent africain. Et ce soir, nous avons décidé d'inviter sur le plateau des personnes mais qui ont, on va dire, le pied entre le continent africain et les Antilles pour nous pouvoir parler des vécus ailleurs, expériences ailleurs, qu'à opportunité nous pouvons trouver ce continent africain. L'Afrique, notre terre mère, comme j'aime à l'appeler, est-ce qu'on peut parler d'un retour aux sources ou est-ce un nouvel Eldorado? Et pour qui? Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, Madame Nana Amanefertari, s'il vous plaît, originaire de la Guadeloupe, qui est présidente de Kemsland et Kems Consulting. Bien bonsoir, merci en pile des présences sur ce plateau-là. C'est vraiment un plaisir, notre rencontre a été magique. Hein, magique hein, et ce soir, vraiment, c'est un honneur pour moi de t'avoir sur le plateau. C'est bienvenue. Bien bonjour tout le monde et bien bonsoir. Salut les Yokaga de nous parce que nous c'est Facebook aussi. Tout à fait. Et Yokaga de nous demain pour ça y est l'autre bord. Donc merci beaucoup pour l'invitation, pour la lumière que vous êtes tous et
À tout de suite pour la suite. À tout de suite pour la suite. À tes côtés, Jean-Paul Kiko, qu'on ne présente plus, hein, mais qu'on va quand même présenter. Président de l'association Gwaje Kamoun Guadeloupe, aussi, qui capote en logam, si le volet, on va dire, culturel, traditionnel, patrimoine de la Guadeloupe. Et ce soir, tu as ta place, hein, tu as ta place, parce que depuis on loul, on est là, au café. Qu'a fait le pont, qu'a travaillé pour un lionnage entre le continent africain et la Guadeloupe. Merci beaucoup, Mouna Mouin, d'être là. On peut dire que c'est Mouna Mouin parce que longtemps nous connaître, nous. Oui, hein? Un honneur de te recevoir et bienvenue. Merci, bien bonjour, bien bonsoir à tout le monde. Et effectivement, ben, nous comptons nous là, hein, surtout pour une thématique comme ça. Mm-hmm. C'est très important que tout le monde, justement, puisse réchouquer dans ces informations-là, ça, à un beau comptage-là, nous avons fait avec le continent-là. Donc, nous bien contents, nous, là, on serait là pour nous bailler la voix. Pour nous bailler la voix, pour nous ça, parler de ça. On a des croyances là qu'on va déconstruire là ce soir, croyez-moi. À nos côtés, la magnifique Nadine Colino-Diomo, qui est styliste, hein, qui évolue dans le monde culturel également, le monde de la mode, de la création, mais qui a également mis en place, on va dire, une communauté I am African d'ici et d'ailleurs, qui est originaire du Cameroun et qui vit en Guadeloupe. Eh bien oui, parce que voilà, on a invité un petit peu, on a un panel là qui va être très intéressant. Merci beaucoup Nadine d'être avec nous ce soir. Merci. C'est un plaisir, c'est un honneur. Oui. On se connaît déjà depuis quelques temps. Tout à fait. Hein, tu as été vraiment l'une des premières, hein, qui m'a habillée avec des tenues vraiment exceptionnelles pour l'émission Secret de femme à l'époque. Secret de femme. Pourquoi songer ça? Très bien. Merci Kinvi de m'avoir invité. Et c'est un plaisir pour moi d'être là et de rencontrer du beau monde. De rencontrer du beau monde et de discuter. Je sais que tu aimes ça. Je sais que tu aimes échanger cette espèce de lionnage, de façonnement des cultures. Voilà. Mettre en relation. Tout à fait. Switcher, voilà, et échanger, apprendre de l'autre. J'aime bien ça. Tout et à fait. Et partager surtout mon savoir. Exactement. Tu as ta place ici et merci beaucoup d'être là. Et nous avons également, parce qu'on vous a dit, on a des intervenants de qualité, on essaie de mettre les choses en place dans cette émission. Nous avons Max Mabadika, hein, qui est Guadeloupéen, mais qui est au Bénin. N'est-ce pas, Max? Mais bonsoir, Max. Qui j'en ai? Oui, bonsoir. Oui, mon Bénin. Guadeloupéen, on précise, voilà, hein, donc, Guadeloupéen au Bénin. Oui, 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 je suis Guadeloupéen, même si j'ai un patronyme très africain. Et ça m'a évité de changer de nom, hein, parce que c'était les racines étaient déjà là. Eh bien, voilà. En tout cas, je te remercie, Max, parce que peut-être des gens pas au courant, mais dis-nous qu'il est lié à casa et où d'où tout là, ou dis-moi, pas ni bon problème pour une vie, qu'accepte l'invitation là, en qui est présent, parce qu'on vit parler de ça aussi. Deuxième moins dix. Deuxième de matin. Vous avez vu ça? Oui. Eh bien, voilà. Voilà. Quand on peut, quand on veut. Quand on veut, on peut. Voilà, c'est dit. Ce soir, nous avons une très, très, très belle thématique. Encore une fois, vous êtes conviés, hein, chers téléspectateurs, à participer à cette émission en nous appelant au 0590 96 10 10. Vous pouvez témoigner, vous pouvez ben nous avis à autres. Et vous pouvez également poser vos questions à nos invités présents sur le plateau ou tout simplement, qu'on ait l'habitude fait, vous vous connectez au Facebook Live de Canal 10 et vous commentez parce que nous apprenons tant nous pour nous payer ça l'isote. Voilà, belle bonsoir encore une fois. Vous connaissez déjà Prentiban là, Cisé. Ah, nous sommes entre nous. C'est bon?
Voilà, nous revoici à l'antenne pour notre rendez-vous hebdomadaire entre nous. Merci à toutes les personnes, encore une fois, qui restent fidèles. N'hésitez pas à partager. Partager, c'est le moment. Vous envoyez le petit lien, là, comme on aime à dire. Et puis voilà, nous sommes ensemble ce soir. L'Afrique, le continent africain, la terre-mère, retour aux sources, au nouvel Eldorado, puisqu'on constate depuis quelques années, hein, qu'on a cet engouement. On ne parle plus de l'Afrique comme avant, je le disais en début, avec ses désastres, la pauvreté, la misère. Il y a vraiment un travail qui est fait par des personnalités publiques ou autres aussi pour un petit peu déconstruire ces croyances que nous avions avant sur l'Afrique. Nana Amane Fertari, tu es guadeloupéenne. Oui, tout à fait. Natif natal. Et tu as entrepris, en tout cas, ce voyage, cette découverte vers le continent africain. Tout à fait. Donc, comme beaucoup d'autres avant moi, je dirais que je ne suis pas la pionnière. Hein. On peut les citer, hein, mais il y a beaucoup de chantres de la négritude qui l'ont fait avant. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont montré la voie, je dirais. Nous sommes dans la lignée de ceux qui sont à l'écoute de Africa is Calling, pour résumer. Donc effectivement, c'est un retour aux sources. Donc une dimension. Pour toi, c'est un retour aux sources. Africa. Alors il y a les deux volets, selon moi. Hein, à mon humble avis, je ne pense pas être la seule à le penser. Parce qu'il y a la dimension bien sûr spirituelle et culturelle, évidemment, c'est multidimensionnel, je dirais, dans le retour aux sources. Mais il y a aussi, effectivement, il ne faut pas le nier, l'aspect aussi économique. Et là, peut-être que c'est un Eldorado pour certains, pour beaucoup. On parlera peut-être des opportunités. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, puisque nous là pour nous parler de ça. Jean-Paul, hein, à cette question, quand je te l'ai posée, retour aux sources au nouvel Eldorado, tu as souri en début d'émission. Pour toi, qu'est-ce que tu dirais? Mais en fait, c'est les deux en même temps. C'est vraiment les deux en même temps. C'est déjà un retour à soi. Au-delà d'être retour aux sources, c'est déjà un retour à soi parce que lorsqu'on retourne sur le continent ou lorsqu'on va sur le continent, pour nous qui sommes de la diaspora, c'est vraiment en fait déjà une quête à soi-même parce que bon, ben, on a une histoire, on a un passé et bien souvent on a arrêté notre histoire à une date précise. Mais en fait, quand on va chercher, quand on a justement un peu plus d'informations, on se rend compte que bien avant, on a quand même beaucoup d'histoires antérieures. Et c'est ça qui fonde nous, en fait. C'est ça aussi qui... C'est le socle. C'est le socle, oui. Et en fait, quand on a ça en tête, c'est plus pratique, plus facile de partir dans un autre état d'esprit en se disant que, bon, en fait, on va redécouvrir qui on a été avant et surtout comment se reconnecter avec les frères qui sont là-bas, qui sont restés sur le continent. Et tu vois, tu le dis, hein. Se reconnecter, c'est qu'il y a eu une déconnexion à un moment. Oui, il y a eu une déconnexion. En fait, c'est ça. On sait bien, il y a eu une bonne partie de l'histoire qui a été cachée. Mais la chance qu'on a maintenant, c'est que tout est au grand jour. On est dans une nouvelle ère. C'est ça, Picardie, hein. On est dans une nouvelle ère. Et ça, c'est vraiment pratique parce que tout est révélé, tout se dit, tout peut se connaître, tout peut se savoir. Et tout même peut très, se très voir vite, aussi. Tout peut se voir. Et en fait, c'était ça notre premier défi. Hein. Souvent, avant, lorsqu'on parlait de l'Afrique, on se disait, oh, mais ça loin, on ne sait pas trop, on n'a pas accès facilement. Or, ben, c'est faux. C'est et puis, les informations aussi simples qui étaient qu'à venir nous, qu'on était qu'à dire, c'est des informations pour faire paix. C'est la misère, la pauvreté, c'est mon cas mort, mon cas pâti, justement, de l'Afrique, parce qu'il y a eu qu'à fuir. C'est ça qu'on en fait, dit comme information. C'est l'inverse, parce qu'elle est au 40 ans, là, on peut bien voir qui est un pays la riche, continent la riche. Et comment vraiment, à plusieurs niveaux d'ailleurs, quelles que soient les dimensions dont on va traiter, on se rend compte que c'est tellement riche qu'on a vraiment à apprendre beaucoup, et puis à partager également. Et c'est un peu ça, c'est vraiment ça l'idée de partage et des lionnages et des beaux cantages, quoi. C'est ça. De mettre en place pont-là, comme Yoka dit. Max, tu nous entends? Oui, très bien. Hein? Toi, tu as fait le grand saut, si je puis dire. Hein? Tu es parti en 2022, donc ça fait déjà à peu près un an, c'est ça, que tu es là-bas? Oui, février 2022. Février 2022. Qu'est-ce qui a motivé... Premier février 2022.
Ah, au cas où j'y date là, au cas où... la précision. Qu'est-ce qui a motivé là, ce retour sur le continent africain? Pour toi, c'est un retour aux sources? Tu y as vu comme une opportunité, nouvel Eldorado, il y a des opportunités qui se présentent de plus en plus sous nos Koukaï. Comment ça se passe quand tu décides de t'en aller? Non. C'est-à-dire que moi, il y avait déjà une histoire personnelle hein, qui était derrière depuis 25 ans. Moi, j'ai un patronyme qui est congo-béninois. C'est-à-dire que mon arrière-arrière-aïeul, j'avais découvert... Parce qu'en fait, avec un patronyme pareil, quand j'étais au CE1, à l'époque, encore lui, exactement, c'est-à-dire qu'on se foutait de moi. C'est-à-dire qu'on me disait que j'avais ma basica caca, union noir-africain, etc. Donc, en fait, j'avais deux solutions. C'est-à-dire que j'ai entamé la première, en goumé vers mon lin, premièrement. Mais après, oui, mais à la longue, parce que les blagues continuaient, donc j'ai commencé à demander dans mon entourage. C'est-à-dire que je demandais à mon père, j'ai pas eu la réponse, j'ai demandé à ma mère non plus. Mais par contre, je suis allé, j'ai demandé à une tante, et puis elle m'a mis, peut-être à 13, 14 ans, elle m'a mis devant des écrits. Et là, j'ai découvert que l'arrière-aïeul était venu en Guadeloupe après la soi-disant abolition de l'esclavage. Et venant en Guadeloupe, il n'était pas considéré comme esclave, mais il était esclave, bien sûr. Et il habitait le Lamantin. Et il est décédé à 35 ans. Et puis, histoire un peu bizarre, c'est-à-dire que mon père s'est marié avec une dame, qui est ma mère, bien sûr, et qui, elle, a un patronyme qui est d'origine béninoise, qui est de Porto-Novo, quand j'ai cherché. Sauf que l'état civil français en Guadeloupe a modifié le nom. C'est pas K-O-U-N-D, c'est C-O-U-N-D. Donc, et c'est comme ça que, partant faire mes études, j'ai rencontré, j'étais en colocation avec Congolais, Béninois, Camerounais, etc. Et j'ai toujours fabriqué cet imaginaire voulant venir. Des origines. Voilà. Et par la suite, études, enfin, quand tout le monde a fait études en France, études en Guadeloupe. Voyant la difficulté du retour aussi, parce qu'à un moment donné, pourquoi tu penses à pourquoi travailler à table blanc, mais on vivait tout dans le pays, on vivait tout dans le pays, on était à Kenny, etc. J'ai vu aussi ce retour, comment ce retour est difficile, et surtout que tu vois encore que le même imaginaire faut déconstruire, parce que c'est pour ça que je dis que on est à la fois. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de schizophrène ou pas. Ah oui, j'emploie des mots forts. Et parce que, en fait, partout où tu es, tu te rends compte, tu te demandes, mais où suis-je, quoi? Parce qu'en fait, tu as accepté nulle part. Et ça a fabriqué encore plus cette envie d'aller en Afrique. Alors, il y a les circonstances ont fait que j'ai jamais oublié ce rêve. Mais en tout cas, je me suis dit, à la moindre opportunité. Ou cachapé. Oui, un cachapé. Alors, le Covid est dedans. Toutes ces restrictions inutiles, là, ça, que, à un moment donné, il y a un ras-le-bol qui est arrivé et puis un chat. Et tu as décidé de partir. Donc, on peut dire que c'est un petit peu un retour aux sources pour toi. Hein, à la, oui, retour, pour moi, tu disais, plus qu'un Eldorado, oui, c'est un retour aux sources. Qui jour t'es qu'a dit ça, Jean-Paul? Retour à soi? Ah, c'est ça. Hein, oui. On peut hein, dire ça pour Max, hein, puisqu'avec son patronyme, comme il disait. Nadine, toi qui es originaire du continent, hein, tu as vu cette évolution des mentalités, de la façon même dont on parle de l'Afrique? Oui, beaucoup. Ah. J'ai beaucoup vu. Moi, en fait, ça ne fait pas très longtemps que je suis là. Mais combien de temps? Ça fait 15 ans. Nadine, ça ne fait pas très longtemps. Ça fait 15 ans. 15 ans. Ça fait 15 ans. Donc, en fait, depuis 15 ans jusqu'à maintenant, il y a une grande évolution sur la mentalité. Vous savez, avant, j'avais une boutique de prêt-à-porter. Et quand les gens entraient dans ma boutique, c'était pour chercher. Quand les Antillais entraient dans la boutique, c'était pour chercher des vêtements de carnaval. Ah, tu me disais. Et ça me choquait. À chaque fois, j'étais choquée. Parce que je voyais le vêtement que j'ai créé, qui est beau. Mais aussi, c'est parce que je n'étais pas intégrée. Quand vous êtes intégré, vous pouvez connaître la culture de l'autre. Mais quand vous n'êtes pas intégré, vous ne pouvez pas comprendre. Lui, en fait, le tissu
le tissu, c'était... En plus, dans ma collection, j'avais beaucoup de violets. Et pour l'entier, le violet, c'est le deuil. Okay, et moi, je n'avais pas compris les codes. Donc, du coup, quand il venait parfois, il me disait, mais attends, je veux un truc pour le carnaval. Il dit, mais attends, celle-là, elle est bien. Attends, elle a un problème, en fait. J'ai tellement fait l'effort de faire quelque chose de joli, elle me dit qu'elle veut prendre ça, ça pour sa soirée carnaval. Il dit, mais c'est si, je pense qu'il va la tuer. Mais bon. Et ça, ça, et ça me bloquait. Et aussi, les coupes de vêtements que j'avais, c'était ce que je pensais proposer. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que l'antillaise, elle aime être chic et simple. Et j'ai changé les coupes de vêtements que j'avais à la boutique. Okay. J'ai proposé des trucs très simples, des vêtements simples. Et la plupart de ces vêtements simples, nous, en Afrique, on porte ça pour faire la cuisine. Okay. Oui. Et ici donc, elle portait ça pour aller dans les soirées. Donc, c'était vraiment le contraire. Et donc, ça se vendait et ça se portait facilement. Et aujourd'hui, dans la boutique, il y avait des belles femmes, par exemple, Queen Vic, vous... Moi, je ne sais pas, je vois une femme très jolie. Tu es belle, tu ressembles à une Africaine. Non, je ne suis pas Africaine. Bon, en fait, ça l'a choquée que je lui dise qu'elle ressemble à une Africaine. Elle était dans le déni qu'on lui dise qu'elle ressemble à une Africaine. Dans le déni ou dans le... Ouais. Dans le refus. Ouais, dans le refus, même pas dans le déni, dans le refus. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des gens qui me disent, oh, je suis belle. Je ressemble à une Sénégalaise. Elle se donne tous les pays qu'elle veut. Et elle te dit, j'ai déjà voyagé, je suis allée au Sénégal. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Et la mentalité... Tu le ressens. Je le ressens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a de la communication immense. Tu es d'accord avec Jean-Paul? C'est communication, les médias. Les médias, et pas les médias. Télé, comme mais les médias, Facebook, avec Instagram, avec on montre tout et sociaux, de rien. C'est nous qui montrons. C'est nous qui montrons. Il faut préciser, c'est nous qui avons fait ce travail. C'est normal, vous savez, la télé, ce sont des personnes qui ont des programmes. Ils n'ont pas beaucoup de temps à montrer beaucoup de choses. Et quand ils veulent choisir, ils choisissent ce qui leur plaise. Alors que les influenceurs, bien les gens qui voyagent comme nous, qui voyageons, on montre tout ce qui est, voilà, tout ce qui est beau, ce qui est beau, tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui est bien montré. Et c'est ce qui encourage des personnes comme vous et moi à franchir le pas. Et à même aller plus loin, à déconstruire. Déconstruire les croyances. Parce qu'au-delà de simplement montrer la beauté du continent africain, il y a un gros travail qui est fait. Et quand je pense à Ben Africa, je pense à Safia, mais il y a d'autres personnes également. Je parle de cette génération parce qu'elles ont directement un impact sur la nouvelle génération. Hein? Donc, il y a ce travail aussi de déconstruction aussi qui est fait de par les médias. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Hein? Même la façon de s'identifier aussi à l'Afrique. Oui, tout à fait. Il y a une conscientisation aussi des parents pour leurs enfants. On a parlé des poupées noires aussi. Oui. African Queen, on est dans la décennie de l'homme noir également. Il y a énormément d'éléments qui convergent. Je pense que c'est dans l'air du temps. Enfin, mon humble avis, il y a beaucoup aussi d'acteurs, comme vous dites, qui participent à ce changement d'image et à une revalorisation par les médias, l'audiovisuel. On en parlera certainement tout à l'heure. Le travail en cours par beaucoup de militants, des activistes culturels dans le domaine de l'audiovisuel pour reconstruire, redorer l'image de l'homme noir et des empires africains, notamment. Et tu as l'impression que ça fonctionne, Jean-Paul? Oui, ça fonctionne, parce que bon, je vois, ne serait-ce que par exemple, hein, quand on est là-bas, il y a déjà une autre forme d'immersion. Moi, je vois par exemple, en bas là, on m'appelle Baléwa, je suis Baléwa, ça veut dire qui apporte la joie, et ça veut dire aussi c'est celui qui est retourné aux sources. Ah. On ne me connaît pas sur le nom de Jean-Paul là-bas. Donc d'emblée, ça crée déjà un autre cadre, une autre dimension des choses. On est plus attentif justement aussi au nom qu'on porte, au nom qu'on donne aux choses. Ici, bon non, moi c'est Jean-Paul, Marc, Paul, etc., etc. Là, ton nom veut dire quelque chose. Donc déjà, ça crée déjà une autre approche des choses. Après, comme je dis, c'est un retour à soi, c'est un retour aux sources. Et puis aussi, quand on a eu la chance aussi de pouvoir s'informer, de comprendre aussi c'est quoi les richesses du continent, de comprendre que bon, ben, on arrive par exemple au Bénin, en Bala, il n'y a qu'à parler au moins 60 langues. On est loin du créole et du français, quoi. À peu près, oui. À la montée, Cameroun, quoi. Il y en a 200, à la montée, quoi. À la montée. Il y en a au moins 200, 300 au Cameroun. Hein. Il y a 200, 300 ethnies. Oui. Donc, vous imaginez le multiculturalisme, parce qu'on parle de multiculturalisme en Afrique. Ah oui. Donc, c'est immensément riche.
de tout point de vue. Ça fait que c'est une autre connexion. Les gens aussi parlant plusieurs langues, c'est aussi plusieurs approches différentes du monde. Et du coup, quand on plonge là-dedans, ben c'est vraiment un Eldorado aussi, justement, parce qu'on s'ouvre à d'autres dimensions tout de suite. On est au Bénin, mais j'ai des copains de la Côte d'Ivoire, j'ai des copains nigériens qui sont à côté, j'ai des copains du Togo. Donc on est déjà dans une autre ouverture. Et là, ça fait que quelles que soient les démarches qu'on va mettre en place ou qu'on va développer, on est déjà sur une dimension beaucoup plus large, une approche de l'Afrique beaucoup plus diversifiée. Et c'est ce que je trouvais intéressant, quoi. C'est qu'on a une approche plurielle, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça, une approche au pluriel. J'aime bien ça. T'aimes bien cette action, j'aime bien cette expression. Et ça résume bien la situation. Les frontières sont très proches. Hein. Il n'y a pas que les fleuves. La frontière nigériane est très proche de celle de du Bénin. Du Bénin. Après, la 45 minutes. Aussi. 45 oui, minutes, on est au Nigérien partant de Cotonou. Vous voyez, donc il y a une proximité quand même qui est favorisée par aussi les moyens de transport, je dirais. Maintenant, il y a une grande autoroute entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Enfin, il y a quand même des possibilités de voyage, même par la route. Du Gabon, on peut aller au Cameroun. Enfin, on pourra épiloguer là-dessus. Les frontières se touchent. Le Cameroun se touche avec le Bénin, avec le Nigeria, avec le Tchad. Vous pouvez avoir un enfant qui est tchadien. Vous lui demandez de quelle ville tu es. Je suis tchadien du Cameroun. Donc, pour lui, dans cette... il est tchadien du Cameroun. Donc, ça se touche les frontières. Et les langues se parlent entre les deux frontières. Donc, vous allez voir la langue... Le tchadien parle le c'est quoi c'est, non, non, c'est pas le... C'est pas le fort. Oh là là, pourquoi je parle l'arabe choix, l'arabe choix et puis la même, oui, la même langue. On va parler au Cameroun du côté de Kousseri par exemple, ou bien au Cameroun du côté de Maïdougouri. Donc ils se parlent les mêmes langues en fait. Et voilà, c'est le même peuple en fait. Vous allez voir par exemple chez au Cameroun, le Nigeria aussi limitrophe de Bamenda où il y a la guerre actuellement. On se connecte. Oui, tout à fait. Finalement les frontières, qui est-ce qui les a? Exactement. That is the question. Je ne sais pas si on va pouvoir rentrer. Jean-Paul Oukari, je ne sais pas si on va pouvoir rentrer dans ça. Mais cette histoire de frontières-là m'embête un peu, mais bon. Alors, Max, toi, oui. Tu as levé la main? Vas-y. On t'entend. Non, mais elle est administrative, hein, parce que bon, c'est toujours ces histoires de visa qui nous bloquent quand on circule entre les pays. Ben, c'est ça qui. Le vrai développement aura lieu quand toutes ces choses-là seront pas abolies, mais en tout cas administrativement moins lourdes. Simplifiées. Oui. Simplifiées. Alors, Max, toi qui es sur place et qui vis là-bas, à ton arrivée, quels ont été les challenges? J'aime pas trop dire difficultés, j'aime bien le terme challenge parce qu'il y a. Quels ont été les challenges? Est-ce que tu as été bien accueilli? Est-ce que tu t'es senti tout de suite à ta place? Est-ce que tu t'es senti un Antillais qui débarque en Afrique? Est-ce que tu t'es senti africain? Hein? Ben, moi, j'ai pas senti de difficultés. C'est-à-dire que j'ai senti que. C'est comme si je revenais en Guadeloupe. Ah, intéressant. Ah oui, oui, j'ai pas senti de difficultés majeures. Hein. Non, c'est vrai que plus je reviens sur un an, plus je fais un comeback sur les un an, j'ai pas. Moi, la seule chose qui m'a vraiment surpris, c'est cette emprise religieuse, quoi. Ça, c'est ça qui me choque vraiment toujours. Puisque plusieurs fois, je suis rentré, pas en conflit avec les gens, mais c'est-à-dire que j'ai demandé, mais les gars, vous n'avez pas d'ancêtres. Hein. Où sont vos ancêtres? Pourquoi vous êtes aussi à fond dans le catholicisme, aussi à fond dans la religion musulmane? Moi, ça a été ça mon principal choc. Jean-Paul, moi, non, justement, c'est ce qui m'a marqué aussi. Par contre, c'est comment les gens de différentes religions fonctionnent très, 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 très bien. Ça, alors là, ça m'a vraiment choqué. C'est-à-dire que
tu iras chez quelqu'un, il aura peut-être sa Vierge Marie, mais en même temps, il fonctionne avec le phare. En même temps, à côté, il y a la mosquée, et puis tout le monde fonctionne, quoi. Donc ouais. ça m'a fait bizarre au début, parce que bon... Non, c'est clair. Tu vas dans un village de 3000 habitants, tu as un Jésus en plexiglas, tu as un Marie en plexiglas, tu te dis, mais parce que tu connais l'impact de ces choses sur la population noire, tu sais ce que ça coûte en termes d'image, en termes de croyance, et ça, c'est choquant. Pour toi, c'est choquant. Ah oui, c'est choquant. Nadine, alors vous qui faites en Bala, vous qui vivez ici aussi depuis 15 ans. Alors, c'est comme il le dit, Max, c'est choquant parce que les gens sont dans sa fond et tout. Excusez-moi, vous mes frères là, je sais que vous êtes sur Facebook là, vous qui me regardez là, ne m'insultez pas. Mais c'est le mensonge. Oui. On dit que Jésus revient. J'ai vu la dernière fois, vous avez porté. On dit que Jésus revient, vous avez pris la plaque, vous êtes comment arrêté ça, pardon. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux, mais il y a beaucoup d'églises. Il y a plus d'églises que des hôpitaux. Comme lui dit, ça l'a choqué, mais c'est comme ça qu'ils sont là-bas. Moi, je vais faire comment? Construisez les routes, arrêtez de construire les églises. Moi, je n'aime pas l'église. Nadine avait ça à dire. Mais en tout cas, Jean-Paul, toi, ce qui t'interpelle, c'est qu'il y a quand même ce vivre ensemble, finalement, ouais. malgré cette différence qui peut choquer certains. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que quelque part, ça limite les choses. C'est vrai qu'il faut le dire. Hein. C'est-à-dire que le fait d'être emprisonné quand même dans cette atmosphère-là, ça fait que ça rend aussi beaucoup de choses difficilement accessibles. Et ne serait-ce que dans les relations aussi, parfois, ça devient compliqué parce qu'il y a trop de... C'est trop embrouillé. C'est trop embrouillé avec tout ça qui se mêle en même temps. Et ça fait que les gens ont moins de... Qui j'en pédis ça? Vous savez, quand on a quelque chose qui nous tient, c'est plus facile d'être un ancrage. Alors que là, parfois, on se dit, mais pour un tel, t'es qu'on s'age au-delà, des mecs qu'on ça, on sait plus trop sur quel pied danser, ça peut créer des confusions. Mais après, bon, c'est ça aussi la richesse. C'est-à-dire, c'est de comprendre ça, d'observer cela, de faire avec aussi. Avec quoi? Avec comment les gens vivent les choses. Non, mais chacun, c'est ça. Oui. C'est le commerce. On est d'accord. Mais attends. On est d'accord. En tout cas, ce que moi j'aurais voulu dire, sans contredire ce qu'ont dit mes prédécesseurs, je dirais quand même qu'il y a une conscientisation en cours. Hein. Pour beaucoup de traditionnalistes, existent. Parce qu'au Cameroun, en tout cas, les traditionnalistes, oui, ils sont bel et bien présents. C'est vrai que. Certes, j'étais dans un milieu traditionnaliste, c'est-à-dire les personnes qui sont dans le culte des ancêtres, qui pratiquent leur religion ancestrale, et par conséquent, et qui sont fiers de vivre cette renaissance africaine, puisqu'il y a une conscientisation qui a été faite pour que les chefs traditionnels aussi maintiennent leur pouvoir. Mais c'est vrai que ce n'est pas gagné d'avance, c'est toujours un travail continu, parce que face à ce que vous avez dit, il y a quand même pléthore de religions. Les religions dites révélées, je ne sais pas comment on peut dire. Mais en même temps, il y a quand même le socle qui est là. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas au Bénin, et je pense que c'est en train d'être vivifié. Enfin, le ressenti que j'ai eu, c'est qu'il y avait quand même une renaissance en cours, on peut dire. Parce que de plus en plus, les gens sont conscients de qui ils sont. C'est progressif, hein, j'avoue qu'il y a du travail encore. Même, je ne sais pas pour vous, on le perçoit avec la spiritualité africaine, afro-caribéenne, puisque bon, on a des spécificités. On en parle de plus en plus. Il y a aussi, on l'a dit, le travail qui est fait aussi pour déconstruire certaines croyances à ce niveau. Et je suis même, quand je vous entends, je suis finalement surprise de me dire que sur le continent africain, finalement. Ça dépend où on va, je pense. Ça dépend où on va. Moi, je dirais que c'est le... Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'église et tout, il y a un moment donné, il faut qu'on puisse changer notre façon de voir les choses tout en conservant ce qu'on sait, hein, parce que c'est une réalité, mais de la voir autrement. C'est-à-dire que on est dans une configuration où on a envie que nos frères remplacent ce qu'on leur a donné
par quelque chose et ce qu'on leur a donné gratuitement aujourd'hui, même si avant on sait qu'il y a eu des sévices et tout, mais aujourd'hui c'est gratuit. Tu parles de quoi? Et nous, on veut aujourd'hui leur transmettre autre chose, mais il faut le payer, quoi. C'est-à-dire que quand tu m'en parles de religion, c'est bien de dire qu'ils sont en machin, ils sont en truc, ils sont ceci, ils sont cela. Mais qu'est-ce qu'on leur donne en retour? Non, mais ils payent la religion. Hein? Mais attends, tu comprends pas ce que je te dis? C'est-à-dire qu'en en fait, au-delà même de ce qu'on dit, sur le terrain, si tu veux pas que les gens ils aillent quelque part, il faut leur donner autre chose. Mmh. Ah, tu comprends? C'est-à-dire que tu ne dois pas être tu dois pas être celui qui écrit le prophète, tu dois être le prophète. Si tu veux que les choses changent, tu dois non seulement parler de ce qui est beau, ce qui est différent, mais tu dois aussi l'être, le manifester. Or, tous nos frères en Kémite, qu'est-ce qu'ils passent leur temps à faire sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils passent leur temps à faire en général? C'est insulter les gens. Dès que tu n'es pas d'accord avec eux, que tu n'es pas dans leur religion, c'est bao, bao, bao. C'est pas comme ça qu'on peut changer les choses. Parce que tu sais, enfin, vous savez, il faut jamais oublier qu'avant d'être comme nous sommes, on était comme eux. Il y a un temps. Je suis entièrement d'accord. Main, tu vois, pour c'est aller chercher. C'est pour parce ça que, qu'on parle. Parce qu'on le moi, sait. On sait, il y a Eplantu, tout ça, tous les gars, ils font leur truc, ils mettent les nègres aussi cons que je sais pas quoi, parce qu'ils sont en train de supplier le pape et tout, on sait. Mais on fait quoi? On fait quoi avec ce qu'on sait? Non, c'est un travail. C'est un travail permanent de conscientisation. Et c'est pour ça que je dis que tout un chacun qui font un retour avant de voir l'Afrique comme un Eldorado simplement économique, c'est créer justement, comme on a la chance d'avoir fait un grand bond en avant, de comprendre un certain nombre de choses, notre rôle, c'est de le faire avec tout un chacun, c'est-à-dire avec toutes les personnes que nous allons rencontrer sur le continent, les conscientiser. Moi, je sais que on a le même ami avec Baléwa, par exemple. J'ai un ami tchadien qui est commun à Baléwa, commun aussi à l'effet à Paris. Eh bien, je me rappelle d'il y a un an, il me disait que mon rêve, c'est d'avoir un passeport Bordeaux comme le tien. Ça, c'est la première conversation que j'ai eue avec lui. Et quand je regarde un an et deux mois plus tard, c'est lui qui me parle de Fatou Diémé, c'est lui qui me parle de Kenny Seba, alors qu'il y a un an, pas du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce que je lui en ai mis dans les dents pendant ces un an? Des fois, on s'est même disputé violemment. Parce que lui, son but, c'était de partir en Europe. C'était ça, son objectif. Donc, nous, on a ce travail. C'est toujours l'exotisme pour celui qui est au pays d'aller à l'étranger. Hein. Il y a ce fait-là, c'est dans l'humanité, c'est dans l'homme. Mais il y a un autre fait, je pense. Hein. Comme les autres ont fait diviser pour mieux régner, c'est à nous aussi de retrouver cette unité en dehors du discours religieux. C'est-à-dire qu'on a la culture qui est quand même notre force. Moi, je suis persuadée qu'on peut retrouver la coopération, travailler sur des projets entre le continent africain et la Caraïbe notamment, sur l'aspect culturel en faisant fi des religions. C'est-à-dire que mon discours à travers aussi Kem Stand, c'est cela, c'est pouvoir travailler ensemble sans faire mention de nos convictions religieuses, puisque la foi est individuelle. Mais au-delà de l'aspect culturel, il y a l'aspect culturel. Et c'est ça notre force. Nous avons une richesse culturelle indéniable à travers la diaspora et le continent. Et nous pouvons nous unir à travers des projets, travailler ensemble, quelle que soit notre religion, et rester dans un esprit de reconstruction de cette unité, de ce lien-nage intercontinental pour retrouver aussi nos racines et faire du business ensemble, par exemple. Et là, je prends oui. La balle au bout. Tu vois tout ce que tu dis là, ma sœur. Mais en fait, c'est ce qui te reconnecte. Et c'est ce qui, parce qu'en en faisant tout ce que tu dis là, tu es déjà dans le vaudou. Dans tes pratiques, dans tout ce que tu fais, tu es déjà dedans. Donc en fait, tout ce qui nous a été retiré, qui nous a été arraché, à partir du moment qu'on est dans une éducation, dans une culture, tu vois, parce que les parents transmettent,
Même s'ils ne savent pas, ils sont en train de dire oui, je vous salue Marie, tout ce que tu veux, mais ils transmettent des trucs vaudou. Parce que c'est là-dedans, c'est une sorte de mimétisme ancestral. Tu vois, comme quand tu dis chip, tu vois, comme quand tu vas balayer, tu sais qu'à une certaine heure, il ne faut pas balayer à une certaine heure. Tu sais qu'il y a, et certains jours, tu ne prends pas de l'argent, ça, ce n'est pas Jésus-Christ. Ça. Quand tu dis vendredi et pas prendre l'argent, mais à mon le monde payé, tu vois. Les us et coutumes, oui, se rapprochent, oui, c'est vrai. Donc c'est l'un dans l'autre. C'est la culture. Ce qu'elle dit, Fertari, c'est qu'au-delà des différences, hein, c'est de travailler sur les points communs, sur les convergences que vous pouvez mettre en place. Et je rebondis, je te donne la parole, Jean-Paul, puisque, et là, on va parler de ce qui permet aussi, de, comme tu l'as dit, de s'unir, de se reconnecter, d'être finalement un peuple qui va l'un vers l'autre, hein, finalement, hein, pour être... Exactement. Et Jean-Paul, elle a dit, la culture, les patrimoines, ce sont sur ces points-là aussi que toi, tu as mis l'accent et qui te permettent aujourd'hui de voyager entre le continent, de mettre en place des projets. Complètement, complètement. Mais je veux justement, avant de préciser ça, justement, rappeler, justement, l'an dernier, on était justement avec le frère Kalala Omotunde, au Bénin. Il était venu parce que j'avais organisé un festival là-bas. Et justement, il était là, il a pu faire quelques conférences et c'était intéressant de voir comment justement, au-delà de l'approche culturelle, au-delà de certaines approches même culturelles, il a donné tellement de dimensions où on se retrouve, c'est-à-dire entre le continent et la diaspora. On a vraiment des points communs qu'on doit justement se révéler encore à nous-mêmes. Tout ça, et on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de choses en commun encore à découvrir, à partager, et que la diaspora avait vraiment aussi son rôle à jouer dans cette reconquête quoi, de l'humanité, quelque part. Et c'est là où, justement, ben, il y a deux ans, quand j'ai fait mon premier voyage au Bénin, c'était d'abord justement une découverte pour commencer à comprendre comment déjà ben, on fonctionne là-bas. J'étais vraiment curieux de voir sur le continent, on me parlait à la télé, etc., mais voir comment ça se passait. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait une richesse culturelle tellement importante. Alors moi, je venais avec ma casquette de « bon, ben, je vais voir comment ça se passe au niveau des jeux traditionnels ». Mais en arrivant là-bas, je me suis rendu compte que « ouh là là, ok, il y a les jeux ». Mais on a aussi les percussions, on a le tambour, le gros cas, les djembé là-bas. On a aussi les danses, on a aussi les anciennes manières de... Moi, quelque chose qui me marque à chaque fois agréablement, c'est lorsqu'on arrive quelque part pour la première fois, les gens vont te verser de l'eau au sol. On te dit, tu vas passer devant. C'est comme ça qu'on te souhaite justement la bienvenue. La bienvenue. Vous voyez, c'est une pratique. À chaque fois, ça me fait chaud au cœur parce qu'on ne fait pas ça, on a oublié ça. Ici, par exemple, on a encore gardé, par exemple, les libations. Quand quelqu'un va boire quelque chose, et qu'il a guetti ta gloatelle, etc. Mais café, mais santé, on a dit café souvent sans conscience. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une ancienne conscience. Parce que, oui, ils n'ont pas tout, mais ils ont quand même. Café, hein. Oui, parce qu'il y a certains quand même. Yoka dit, pour moun qui mort. Voilà. Eh bien, j'adore. Pour les anciens, pour les amis en moi qui partent, pour etc. Finalement, c'est ça la libation. C'est une libation. Ah oui, c'est une libation. Pour le feu, c'est une libation. Pour les ancêtres, moi j'ai vu ça. Hein. Libation, on peut faire avec de l'eau, on peut faire avec l'alcool, on peut faire avec l'air, on peut faire avec toutes sortes de mythes. Il y a une convergence des luttes, mais une convergence aussi des esprits qui fait que même dans toutes les luttes aujourd'hui, même syndicaliste, quel que soit ce que tu fais, mais aujourd'hui tu retrouves des libations. C'est-à-dire que tu retrouves une connexion entre la culture, le militantisme, puis des fois le syndicalisme, et puis des fois aussi le politique, tu vois, et aussi le sportif. C'est-à-dire qu'en en fait, ça s'insère partout, puisque comme on parlait tout à l'heure des influenceurs, les influenceuses, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, tout le monde est connecté, quoi. Ça commence tout doucement, mais c'est vrai qu'il faut encore beaucoup étudier. Il faut beaucoup étudier encore parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais sans conscience. Et c'est un peu dommage parfois. Oui, il faut vraiment étudier. Il faut vraiment quand même se renseigner là-dessus très, 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 très sérieusement parce que parfois, ça peut créer l'effet inverse.
en fonction de ce qu'on veut faire finalement. Il y a effectivement un cadrage à trouver, je vous rejoins, et c'est vrai qu'en ce qui concerne le volet universitaire et la recherche en l'occurrence, je me rappelle que c'est lors de ton second, troisième voyage, on était ensemble, et on avait fait la rencontre avec un universitaire à Cotonou, qui était ravi, qui voulait nous rencontrer, parce qu'on avait quand même un point commun, c'était le panafricanisme, il faut le dire, et donc il voulait donc connaître effectivement Omotunde à l'époque, et il voulait absolument l'inviter, je me souviens, on avait eu le contact par quelqu'un du réseau Kemsland, et c'était mieux se connaître pour mieux structurer, peut-être faire des recherches, des sujets de thèse, justement. J'ai rencontré des personnes universitaires qui sont motivées pour cela, que ce soit au Cameroun, au Bénin et peut-être ici aux Antilles, trouver des sujets de recherche en matière d'anthropologie, sociologie, etc. Il y a beaucoup à faire. Il y a pléthore de sujets, je pense, à développer au niveau, que ce soit des scolaires, mais aussi des formations à faire. J'ai démarché notamment des centres de formation. Ils seraient très intéressés à recevoir des élèves, par exemple, de notre territoire, pour connaître la cuisine, notre gastronomie, par exemple. Je me rappelle qu'on m'a demandé plusieurs fois des recettes, que ce soit des acras ou du bokit. Enfin, il y a aussi des possibilités dans le domaine gastronomique. C'est vrai que la cuisine est riche sur le continent. Par exemple, au Cameroun, on m'a dit qu'il y a au moins 200 ou 300 plats. Tu peux manger un plat différent par jour, tellement il y a d'ethnies et de richesses culinaires aussi. Mais en même temps, il y a aussi des choses à trouver. Je trouve, par exemple, il y a les acras au Nigeria qui ressemblent à nos acras. Donc, il y a des similitudes comme ça à trouver. Et peut-être aussi pour des gens qui veulent ouvrir des restaurants là-bas, ils peuvent trouver leur clientèle. C'est pour ça qu'on a la cuisine. Justement, la cuisine, elle a une identité, mais elle n'a pas de frontières. C'est un peu ça. La cuisine, c'est comme la musique. On va danser une musique qui a un son qui est bien à danser. Tant qu'elle est bonne, tant qu'il y a le rythme, on va danser. Ça a une originalité, ça a une signature, mais elle n'a pas de frontières. C'est la même chose avec la cuisine. Quand je suis allée en vacances, j'ai ramené le colombo, la poudre de colombo. Et j'ai fait le colombo. Ma maman me dit, c'est quoi ça? C'est rouge, quoi? C'est quoi? Je dis, mais goûte. À chaque fois, quand je vais au Cameroun, il faut que je lui ramène ça. Oui. J'ai mangé, pour tout te dire, le colombo aussi au Cameroun, au Bénin. J'ai mangé avec des Béninois, le colombo. Voilà. Et c'est vrai qu'ils raffolent. Ils raffolent dans la cuisine, ils demandent. Ce qui est beau quand on regarde. Moi j'aime beaucoup ça. Le fait qu'on puisse avoir ces différents échanges. Mais on n'est pas assez conscient de ça ici encore. Mais on y travaille. Tu penses? Oui, je pense vraiment. Il y a qu'à voir même sur le plan spirituel. De quoi? C'est-à-dire que le pont sur le plan. Découverte, on commence à vouloir le faire, c'est-à-dire aller voyager là-bas, découvrir les beaux endroits. Les gens sont un peu dans le show. C'est-à-dire qu'ils veulent aller en Afrique pour après montrer sur leur Instagram qu'ils veulent aller en Afrique, prendre de belles photos, faire des vlogs, dire ah ouais, là je suis au Bénin. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire la connexion même? La connexion, comme tu disais. Parce que tant qu'on ne saura pas, on ne va pas accepter qui on est, nous, noirs, Wadbe. D'où on vient, notre histoire, intégrer tout ça, machin, c'est là où on pourra faire la connexion. Parce que ça va venir tout seul, en fait. Tu vois, ça va nous paraître logique, c'est-à-dire les choses, on va même plus se poser questions, tu vois. Mais comme on ne sait pas qui on est, on est perdu. Donc, du coup, forcément, avoir cette véritable connexion. Non, mais en tant que Guadeloupéen, moi, je le ressens. Nous avons été conditionnés, tout ce que vous voulez. Bref, mais bon, en tout cas, on a du travail à faire là-dessus. Et justement, cette reconnexion à nous-mêmes déjà doit être faite pour moi avant qu'il y ait une réelle. On est trop peu ici à avoir déjà sur le plan mental à être déjà passé réellement
dans cette reconnexion avec, avec la... Avant de lancer la Bible, Nadine, parce que ce qu'elle dit, c'est... Mm-hmm. On le voit aussi, même, deux tendances un peu. Oui. On a les Occidentaux qui partent sur le continent africain et qui reviennent avec des photos de la misère. Il y a quand même anti-moun, il y a fait photos, ils sont de machin. Et on a aussi les Afro-descendants, on a l'impression qu'ils repartent en Afrique. Et là, on a les belles photos, on a les belles plages, le Instagrammable. Je vais rebondir dessus. Tu me suis depuis longtemps. Je suis allée au Cameroun. Ces jours-ci, je n'ai pas publié beaucoup de photos parce que je publie ce qui est important. Mm. Les Occidentaux, ils vont publier les photos avec des enfants qui sont en souffrance. Vous n'allez rien dire. Vous, noirs, vous n'allez rien dire. Mais une autre fille, black, noire, va publier. Vous allez dire... oui, c'est normal, elle était en vacances. Pourquoi, quand c'est le blanc qui publie, vous ne parlez pas? Vous parlez beaucoup. Ah, mais de plus en plus, il y a... Là, j'ai vu... Ça a changé, oui, hein, on a dit, hein. Ça évolue. Ah, ça a beaucoup évolué. En fait, les vacances là-bas, je peux vous dire, nous qui avons le pouvoir d'Afro, Max, qui est au Bénin actuellement, il a dit tout à l'heure que c'était facile pour lui de s'intégrer. Parce qu'il a le pouvoir d'achat quand il arrive. C'est ça aussi. Okay? Quand il arrive, il a le pouvoir d'achat, il a tous les amis qu'il faut. Max, il est là. Il a toutes les ouvertures qu'il faut. Donc là, c'est d'accord. Tu dois pas. Moi, d'ailleurs, quand je vais en vacances, la première semaine qui arrive, j'ai le pouvoir. La première semaine, hein. Et après, je commence à dire, le taxi qui est 1000 francs, je commence à dire, tu prends 200. Voilà. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que montrons le vrai visage et oui, la bonne façon de fonctionner que de montrer. Par exemple, nous, surtout les Africaines qui habitons ici, en Europe ou à la diaspora, ou bien n'importe où, quand elles vont en vacances, il faut qu'elles se prennent un crédit de voyage. Et qu'elles arrivent, elles font comme si elles ont beaucoup d'argent. Ah. Donc, ce qui fait que ça fait aussi des envies. Ça fausse, comme tu dis. Ça fausse l'image. Tout ça, c'est faux. D'accord, c'est intéressant. Tout ça, c'est faux. Donc, apprenons à montrer le bon exemple. Nous qui allons là-bas, quand on revient ici, par exemple, je reviens, je montre, j'ai ramené ça. En fait, le décalage de la vie, là, apprenez, on voit la personne avant et maintenant pour comprendre si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je n'attends pas quand je vais au Cameroun pour m'acheter des faux sacs Louis Vuitton pour descendre à l'aéroport, des faux sacs Louis Vuitton Château d'eau, pour descendre à l'aéroport, pour tirer les sacs comme ça pour que je suis arrivée, ou bien pour collectionner tous les madras que j'ai pour qu'on sache que je viens des Antilles. Il faut d'ailleurs que je monte ça ici depuis. Comme on voit dans ça. C'est vrai. Voilà, restons vrais. Donc vraiment, moi, je pense que... Cette connexion va se faire aussi dans cette... dans ce... sans faux semblant, comme tu dis. Tout là. À fait. Oui, Max. Non, mais je dirais que c'est le même peuple. Mais en fait, on a deux côtés. Il y a nous qui avons été très européens. Et de notre côté, en Afrique, moi, je le vois par tous les enfants que je côtoie à côté de chez moi. C'est-à-dire que dès leur plus jeune âge, ils sont éduqués à aimer l'Europe. C'est-à-dire qu'ils sont éduqués à comprendre que chez eux, c'est pas... Et tout le temps. C'est-à-dire qu'ils connaissent, par exemple, les enfants au Bénin connaissent mieux l'Europe que le Bénin. Ils sont jamais allés dans le nord du Bénin. Ils sont même pas montés à Paris. Ils sont même pas arrivés au nord-ouest du Bénin. Faute de moyens, faute de moyens d'État, faute de moyens personnels. Donc, c'est bien là le problème. Donc, on doit se reconnecter, mais se reconnecter sans faux semblant. Au départ, je me suis dit, je vais au Bénin, mais je ne vais pas... j'avais pas envie de faire d'aller-venir. J'avais vraiment envie de m'intégrer complètement, de m'immerger complètement ce que j'ai fait, parce que j'ai fait aucune année venue depuis un an. C'est ce que tu me disais, Max. Parce que t'as dit que finalement, les ou qu'a fait va et vient comme ça, ou pas qu'a véritablement imprégné de fonctionnement là, des pays là. Mais c'est-à-dire que ça aussi, je l'ai fait par expérience, parce que avant, dans les années 2000, j'allais souvent en Amérique du Sud et je faisais beaucoup de va-et-vient. Donc finalement, je voyais que le côté touristique du pays, quoi. Je voyais que les belles facettes. Et en fait, quand je suis arrivé en Afrique, je me suis dit surtout pas. Surtout pas. C'est-à-dire qu'il faut que je m'immerge, mais quitte à justement, comme elle disait, c'est Nadine, je crois, parce que quand on arrive, effectivement, on a un pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand on reste un an, le pouvoir d'achat n'est plus du tout. Ah là, t'as pas les poches du vacancier, là, encore. Non. Non, mais j'ai arrêté d'être vacancier au bout de 2 semaines.
Après deux semaines, Max nous dit, c'est la vraie vie. C'est la vraie c'est vie la vraie. Qui commence, c'est ça, Max. Hein? Et puis, c'est la vraie vie. Oui, vas-y, Nefertari. Investissement. On va en parler sur ce volet-là, tu nous t'en aperches. Parce que, à pas tout dit visiter, aller dans les soirées, non. Effectivement, si on, a, si on sait ce qu'on veut, on veut investir. Là, effectivement, on va faire attention aux dépenses. Et je pense qu'il y a un projet pour le développement endogène. Moi, je pense qu'on a notre carte à jouer sur des investissements en termes de développement local, sur des projets concrets, que ce soit des constructions de logements ou de villages ou de, d'écoles. Enfin, à plusieurs niveaux, hein, non, ça peut être des projets culturels. Je pense que là, on peut faire un tourisme durable, je dirais un tourisme avec la notion de... d'efficacité en fait. Voilà, donc on peut allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que si on a un pouvoir d'achat, autant l'utiliser pour que ça soit voilà, profitable à la communauté, au territoire, au développement local. Voilà, faire de la prospective. Et c'est ce que Kems a fait pendant plus d'un an, justement. Donc, je sais qu'on calcule combien on paye le taxi, on calcule, on négocie. Et puis, j'ai entendu dire, effectivement, au marché, une dame qui voulait vraiment que j'achète sur le marché Congo à Douala. Hey, elle me disait, achète. J'ai dit, non, je ne peux pas. Parce que je calcule mon budget, il faut tenir pour un an et demi. Et il faut tenir, parce que vous pas venir pour faire touriste, venir pour travailler, venir pour investir. C'est là, finalement, la différence. Voilà. Entre y aller en mode touriste et y aller avec des projets, etc. etc. On va revenir sur justement cette partie de projet. On me dit que nous avons un appel. Oui. Oui, ben bonsoir, bonsoir. Oui, bien bonsoir. Oui. Vous nous appelez d'où? Quel est le prénom? Oui, eh bien, un quartier du Lamantin. C'est Chalem. Chalem du Lamantin. Eh bien, un quartier de Saisonne. Pour l'émission là, toujours, puisque en cas suivante et en cas trouvé aujourd'hui là, encore moins, encore plus content d'être en émission là, ça, qui est sur l'Afrique. Et en tant que pour ton témoignage, depuis 1996, déjà ni en émission, elle avait ni en jeune madame, c'était Noël et Samia John. Il était qu'à faire à 6 Canal 10, Afrique au positif. Et émission là, ça nous pas ni tellement lié à si, puisque c'était l'Afrique au positif, nous avons monté toute positivité à l'Afrique. Et après, émission là, ça a arrêté, nous avons venu en lot d'autres émissions, mais nous pas j'ai vraiment des émissions qui ont parlé de l'Afrique généralement à si, justement, canalisées. Donc, son idée peut-être qu'il faut nous mettre sur pied. Alors, moi, j'allais en Afrique en 2002. Et pour moi, c'était une belle expérience. Mais expérience, ça ne veut pas dire qu'on peut comprendre exactement, vraiment. C'est-à-dire, on peut imprégner, on peut content. Mais c'est là où on voulait retourner en Guadeloupe, en rendant compte vraiment que nous avons la même difficulté là que l'Afrique. C'est-à-dire, ils ont démouné nous, ils ont tiré nous dans la civilisation, nous, pour nous mettre nous dans une civilisation occidentale. Qui ka, c'est-à-dire, plus nous allons là-dedans, plus nous capons nous, et plus nous sommes tombés. Et pour moi, j'en dis là, c'est que là, nous allons retourner vers l'Afrique, j'en dis là, c'est pour nous retourner vraiment en spiritualité, nous, mais aussi en termes de civilisation. Et justement, nous, ni frère là qui t'a dit tout à l'heure là, que ni on l'a monde aujourd'hui là qui a parlé de qui kémite, mais qui a parlé des choses négatives que nous aujourd'hui là nous y est. Aujourd'hui là, nous peut faire bilan à ça nous y est, mais à part ça, nous plus besoin. Nous besoin ça, on l'a nous calé. Et ça, c'est important pour nous, on l'a nous calé et on l'a nous voulu aller parce que nous avons des références à civilisation, nous qui l'a encore et que nous peut rechouquer nous là-dedans, mais pas en donneur de leçons parce que l'Afrique, pendant que nous avons vivre l'esclavage, nous avons vivre même bien là que nous, puisque c'est là que nous avons nous, mais aussi nous avons aussi tenu un esclavage sur place
en Afrique même. Donc, ça veut dire que si nous démounons, ils ont aussi démouné. Et elle veut une spiritualité là, puisqu'elle nous a dit civilisation, car elle veut une spiritualité. Spiritualité là, je dis là, qu'elle a développé là, nous fait nous développer, qui ont une civilisation occidentale, qui a une spiritualité occidentale. Donc, je dis là, si nous pas sortir dans la spiritualité occidentale là pour nous rentrer dans la spiritualité négo-africaine en nous, nous pouvons en sortir nous. Mais nous pas ni à bas, nous sommes censés. Ah, mais c'est nous avons le droit d'être, mm-hmm. d'être sanouillés. Mm-hmm. Nous pas demander, nous pas prendre le droit d'être. Nous pas demander le droit d'être. Donc, mm-hmm. ça qui finit, ça en TV des autres, c'est que c'est très bien que nous ayons l'Afrique, mais des fois, les nous caler, si nous pouvons bien parler, des fois, c'est on l'aurait nous qu'à commettre. Puisque mm-hmm. nous avons. Être des donneurs de leçons. Elle a bien nous avons être apprendre. Non, c'est pas au comportement nous, c'est pas genouillé. Si nous qu'a venu et que nous qu'a fait concis, nous c'est français qui qu'a venu en Afrique, ça très désastreux. Donc c'est pourquoi j'en dis là pour nous très réactifs de nous qu'a fait des voyages pour ça... des mounes qui qu'a retourné vrais ancêtres à eux, vraies familles à eux. Et justement, mandé c'est là qui nous bout là, aux ancêtres en nous, elles ont oublié, aux la zone et qu'à nous qu'a fait pour nous retrouver les ancêtres en nous, pour nous payer du bout. Alors, c'est un très content émission là, ça. En passant avec donc, attends-moi. Ah oui, nous qu'a fouté religieusement. Et on te qu'est devant moi, on te qu'est. Beau, en tout cas, un bel beau même parce que l'intervention là, qui a fait moins plaisir, tout bon. Voilà. Ouais, mais moi, pour ça, quand on vit, est-ce qu'on peut. Attends, laissez-en dire un petit mot. Est-ce qu'on peut un petit moment le mardi pour voir si vous pouvez venir sur le plateau la journée? Venez nous pas s'attaquer mes façades et verres parce que à chaque fois que vous intervenez, ah ouais, c'est baisser tête, hein. Ouais. Écoutez, boutonne. Ouais. Mm-hmm. Merci beaucoup. Oui. Merci un peu. C'est de longue haleine, c'est-à-dire à pas habitué qui fait comme ça. C'est depuis longtemps, puisque c'est nous qui initiés, c'est-à-dire sur la marche de l'esclavage, nous avons fait honneur aux ancêtres. Nous ne pouvons pas commémorer l'abolition de l'esclavage, mais nous avons fait honneur aux ancêtres. Nous faisons ça pendant 10 ans. Donc, c'est pour dire que depuis un certain temps, il y a un travail qui a fait, mais moi, là, en Guadeloupe, mais moi, en Haïti, au Bénin, mais quelque part, on restait, au parti, on restait au Bénin. Mm-hmm. Parce que quelque part, en cas de connexion, pour moi, c'est un jour, il faut moins qu'il y ait. Mais c'était question pour, hein. Est-ce que vous avez. Oui, alors, en promettant 6 enfants moins, de te retourner vers yo, de mener 6 enfants moins, en te promettant que nous kenny à aller et à vivre en bas là. Ah, et, mais moment là, nous sommes ça, tout bien qu'à venir à tout moment pour y venir. On y a un travail qu'à faire ici. Parce qu'on a senti qu'on a une mission. Aussi. Alors, donc, on a un travail en café ici. Mm-hmm. Et là, le moment qui est venu pour faire ce travail-là, on l'autre côté, on a fait. Mais là, on a pensé qu'à part un mauvais bien d'être ici, et on a fait ce travail-là qu'on a fait là. Et je vois là qui est arrivé. Et même si on voulait, par exemple, on était parti. Mais si en partie, on peut toujours trouver moi de l'autre côté là. C'est ça. Belle intervention. Hein. Merci en pile, Chalem. Oui. Merci en pile. Merci pour Moa. Merci pour fidélité à l'émission là. Et puis, nous comptons tout bonnement. Oui, je voulais réagir, si possible. Oui, merci beaucoup, Kunvi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, vraiment, et même avant, hein, grâce à des groupes culturels comme le groupe Vukum, comme le groupe, je peux les citer, les groupes vraiment qui font un travail formidable pour cette reconnexion. Et en cas de vraiment, Oulo, bravo, parce qu'ils ont aidé nous en pile aussi dans ce cheminement-là, ça. Exactement. Parce que c'est un cheminement, en fait, hein, son processus, et graduellement, donc on a envie d'aller plus loin. Mm-hmm. Justement, il y a l'adage d'Afrique de l'Ouest qui te dit ensemble, on va plus loin. Je pense
pense que là, les groupes culturels vraiment qui font ces voyages depuis tantôt vraiment ont aidé aussi à cette conscientisation. Il faut Bayo aussi faut là parce que en ça une des voyages qui est bientôt aussi organisée. Nous peut-être nous qui parlé de ça avec ces groupes là ça ou bien au Bénin notamment, mais il y a d'autres pays et il y a des voyages en cours pour ceux qui sont intéressés pour d'autres pays. Le Cameroun, en l'occurrence, peut-être on en parlera à l'issue de l'émission ou en conclusion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un travail de groupe, d'ensemble. C'est pas un travail individuel, c'est ensemble, nous, qui allons plus loin. Et vraiment, j'invite tout un chacun à travailler en synergie, comme nous qu'a fait avec Balewa, avec Kemson, on avait travaillé avec Cafela. Parce qu'avec les festivals qu'il a organisés, on a essayé de faire du réseautage, justement, pour travailler ensemble, unis, pour unir nos forces, justement, pour aider à cette reconnexion, cette redécouverte de nous-mêmes, cette auto-guérison, mais aussi ouvrir peut-être des passerelles à d'autres qui veulent faire la démarche, identitaire et aussi au niveau business. Puisque, voilà. Pour nous continuer de travailler là. Ouais, avant nous, bah, là, bah, oui, non, oui. C'était juste un petit bémol. C'est que Talela Mteka dit, pas critique, hein, mais c'est-à-dire qu'on disait que bon, si au panier, on plan déjà, etc., etc., pour Yvan Bala. Pour moi dans ça. Et moi, TV met ton petit bémol. Parce qu'en TV dit que ni des mouns qui sont attirés par l'Afrique, peut-être par rapport à ta musique. Ni d'autres, c'est que par rapport à peut-être linge. Ni d'autres, c'est que par rapport à ta cuisine. Ni d'autres, c'est par rapport à belleté à pays là. Et en fait, quel que soit manière là, en fait, nous positionner nous pour nous justement commencer à rebocanter avec l'Afrique. Pour moi, parce que c'est déjà en première manière, même aussi. S'il y a un monde qui vient peut-être, pas ça va venir des monde qui vient peut-être parce qu'il y a bien aimé les souliers africains. Peu importe. Peut-être même pour le tourisme. Pour regarder, voilà. Ça pas grave. Bon, belle photo à côté là, ça, exactement. En TV découvert. Oui. Pour c'est déjà on ça. Pas. C'est déjà en premier c'est pas. C'est déjà on Africa is calling. C'est ça. Pas nous freiner. Alors c'est vrai que. C'est ça. Step by step finalement. J'ai vu que tu as, Nadine, tu as rebondi quand elle a dit donneur de leçon là. J'ai vu que tu étais. Ben oui, en fait, parce que. Tu as ce sentiment parfois que les Antillais. Alors, entre parenthèses, tu fais beaucoup de nous. Oui, quand je dis nous, c'est nous, africaines de l'Europe. C'est nous, Antillais, qui sont ici. C'est ça le nous. Ok. C'est pas nous que je vous vois quelque chose, bien que je dis nous qui sommes ici. En fait, aujourd'hui, moi-même qui est installée ici, pour que je retourne au Cameroun, il faut que je me. Il faut que je. On appelle ça quoi ? Il faut que je. Il faut que je réétudie. Qu'on appelle encore. J'actualise ? Non, il faut que j'actualise aussi mes connaissances. Parce que je suis allée, même si tu es partie il y a seulement 2 ans, en deux mois, il y a des choses qui changent. Non, même quand tu es originaire de là-bas, oui. Pour toi, il y a cette démarche aussi à faire je de s'actualiser. Je parle mon patois, ouais. Je parle le français, je parle l'anglais de chez nous. Et même si je repars, le pidgin. Même si je repars, il faut que je il faut que je me réhabitue, il faut que je me renseigne. Ça, démarche, ouais. Parce d'accord. Que tout change. Donc comme la dame disait, on se lève pas un matin, tu dis faut pas avoir de projet pour aller. C'est vrai. Mais ça dépend comment tu veux aller. Mm-hmm. Si tu veux aller pour visiter, c'est bien. Mais si parce que tu as vu que Queen V est revenue une fois, elle est partie pour elle fait des allers-retours, elle fait des affaires. J'ai vu qu'il y a un restaurant là-bas. Moi aussi je veux aller. Hein. On m'a dit c'est pas cher. On m'a dit que le terrain c'est 4 000 euros. On m'a dit qu'avec 50 000 euros tu fais tout. C'est vrai. Même avec 10 000 euros tu peux faire tout. Mais ça dépend. OK? Parce que ce n'est pas. On fait tout, mais ce n'est pas si simple. Les voyageurs, les deux voyageurs, là, ils connaissent bien. Donc, moi-même qui est que camerounaise d'origine, quand je vais au Cameroun, il faut maintenant que je m'intègre sur les nouvelles façons de fonctionner. Tout a changé. On s'est aussi mis aussi à la façon européenne. Tout est décentralisé à l'informatique. Ce n'est plus avant qu'on donnait le tchoko pour passer. Donc, ce n'est plus comme ça. Maintenant, quand vous voulez voyager, renseignez-vous sur ce que vous voulez faire comme projet. Comment ça va se passer? Est-ce que vraiment c'est toi qui es propriétaire de ce que tu vas acheter? Est-ce que posez-vous les bonnes questions? Posez-vous les bonnes questions. Ouais, pour avant de vous lancer. Mais c'est facile.
Parce que si vous attendez toujours le bon moment, mais c'est ça, ça aussi, va jamais arriver. C'est ça, ouais, c'est ça aussi. Contactez-nous, on est là pour ça. Mais justement, justement, on arrive à cette deuxième partie d'émission. On va y aller avec notre rubrique Koudzier. Et ensuite, on va revenir sur le plateau. Et là, nous, chaque monde nous a parlé des projets concrets à Zod. Qui gens ont qu'à mettre en page l'honnage là. Ça qui peut être une inspiration aussi, au-delà de une information, mais une inspiration aussi. Parce que nous, là, pour ça, nous pas qu'à faire pub, nous qu'à passer directement à la rubrique Koudzier, c'est parti. Oui, bah du coup, ce soir on va parler du mouvement Blackzit. Et avant que je rentre dans le fond du sujet, sache que tout ce travail de conscience justement qu'on fait, je le fais aussi sur mon Instagram, la blablatesse, si tu veux découvrir plus sur notre diaspora, ma vie de noir, etc. Donc le Blackzit, c'est un terme inventé après le Brexit. Donc voilà, des termes très proches, par Dr Burley III, qui est militant des droits de l'homme. Donc du coup au Royaume-Uni, et il signifie tout simplement les Noirs sortent, hein. On va pas chercher 10 000 significations. Donc c'est un mouvement social qui promeut l'expatriation des Noirs vers des destinations à l'étranger. Bon, c'est surtout un mouvement qui a pris des États-Unis et également du Royaume-Uni. Et c'est vrai que, Max le disait tout à l'heure, il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'après Covid, aussi il y a eu l'affaire George Floyd qui a vraiment mis beaucoup d'émotions aux États-Unis et qui a bouleversé pas mal de choses. On a aussi la hausse du coût de la vie, l'incapacité du gouvernement à lutter justement contre le racisme systémique dans ces pays-là, hein, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les faibles possibilités aussi d'avancement professionnel pour les Noirs, le manque de modèles aussi au sein de la hiérarchie, même sur le plan professionnel, et tout ça, et même les leaders qu'on peut avoir dans ces pays-là pour notre diaspora. Donc toutes ces raisons citées ont permis de développer cette tentation justement d'aller chercher une vie meilleure. Et justement, on a constaté l'augmentation du nombre de Noirs qui déménagent vers l'Afrique et la Caraïbe aussi. Parce que voilà, ils se rendent bien compte qu'ils sont également chez eux ici. Donc c'est pas un phénomène nouveau, parce qu'il faut savoir que nos leaders, hein, Malcolm X et Marcus Garvey, avec lui, avec la Black Star Line carrément, avaient pour conviction profonde, on le sait, que la seule façon pour les Noirs d'être vraiment libérés était de retourner en Afrique. Ça, c'était clair et net. On a aussi, même au Canada, on a eu l'abolitionniste Marie-Anne Chada qui également encourageait les Noirs à faire pareil. Partez, allez, retournez en Afrique, vous serez bien mieux là-bas. Et fait récent, en 2020, justement sur la Terre-Mère, la ministre ghanéenne du tourisme, Barbara Otengiazi, qui a déclaré publiquement que l'Afrique vous attend. On le dit maintenant, tout le monde est dans cette dynamique-là. C'est vrai que c'est une décision qui n'est pas facile, surtout que nos voix sont un peu sous-représentées, hein, dans le récit des expats. C'est en train de changer, mais on est quand même toujours sous-représentés. On se pose beaucoup de questions. On se dit, bon, ben, comment on va faire quand on habite très très loin de l'Afrique. Et heureusement qu'il existe des plateformes, des organisations. Là, sous le web, on a Travel Noir qui fait un gros travail, Blackzit Global aussi. Ils donnent des informations, des inspirations, des recommandations pour ceux qui veulent sauter le pas. On y découvre sur cette plateforme-là aussi des témoignages, des histoires vraies, de vraies vies, justement, telles que par exemple celle de Lakessia, qui est femme d'affaires, du coup, installée au Ghana récemment et qui déclare dans son témoignage que justement au Ghana elle ne se considère pas comme une femme noire, mais juste une femme. Donc ça, c'est très beau. Madame Smith aussi, on peut la lire, qui est britannique, qui est installée maintenant à Grenade, donc dans la Caraïbe, et qui, elle, fait son retour en racontant à quel point elle adore être dans un pays noir. Et Muhammida aussi, j'ai beaucoup aimé son témoignage, qui est expatriée au Ghana. Elle a créé sa société de marketing numérique. Elle travaille avec des grandes marques internationales de luxe. Bref, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'en parlerai dans mon blabla sur ma page, mais je l'aime beaucoup. Et donc, du coup, qui dit que, justement, le Ghana lui a donné un véritable sens de l'humanité. Elle se sent à sa place. Donc, moi,
j'ai envie de terminer avec des conseils que, du coup, moi-même, je me dis que j'appliquerai si j'ai envie d'aller là-bas. C'est que déjà, si on peut passer du temps aussi dans le pays, parce que moi, je le ressens comme ça. Mm-hmm. J'aurais besoin d'aller voir comment je me sens. Et puis, moi, comme je suis très sociable. Donc, je parle avec les gens qui vont me donner des trucs. Je vais ressentir un peu la vibes pour savoir si je serai bien là-bas et tout ça. Et faire des recherches. Ça tout dépend du projet, pour le travail, pour le logement, même pour l'école. Si on parle des enfants, c'est une réalité. Si on veut que les enfants continuent une scolarité et puis se sentent bien dans l'environnement. Avoir aussi, pour moi, des économies, c'est important. Parce que si on reste là-bas au chômage pendant un certain temps, avant de pouvoir trouver un travail stable et même de faire du business, de pouvoir investir, c'est quand même mieux de partir avec une petite soupape. Hein? Ne pas se retrouver un petit peu mêlé là-bas aussi. Et puis surtout, ben, comme pour tout, avoir un plan B, si on peut, voilà, parce que si ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a des Blackzit qui ne fonctionnent pas, c'est une réalité, voilà, et ben du coup, on peut aller soit ailleurs ou retourner dans... Ben oui. Et mieux se préparer. Et mieux se préparer. Et mieux se... Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que le plan B, et on rebondit après par la suite. Voilà. Merci beaucoup, très 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 intéressant, comme toujours, cette petite rubrique, et elle vous l'a dit, vous pouvez retrouver le reste des informations sur sa page Instagram. Je vais vous présenter moi, Amida. La Blabla Thèse. Voilà, merci génial, beaucoup, Amida. La Blabla Thèse. Nadine, on arrive à la deuxième partie d'émission. On en parlait, elle le dit, hein, il y a aussi des Africains qui font aussi le choix de venir aux Antilles. Hein? Et toi, tu as cette belle communauté, cette émission que tu développes aussi. Tu l'as appelée les Africains d'ici. Alors, cette émission s'appelle I Am African. Ah, yes. I am African d'ici et d'ailleurs. J'aime beaucoup. Alors, cette émission, je l'appelle comme ça parce que l'Antillais te dit souvent qu'il n'est pas africain. Et l'Africain qui est français, soi-disant, voilà, te dit que je suis de Bordeaux. De Bordeaux, d'où en fait. Tu viens. Tes parents. Quelles sont tes origines? De Paris. Tu le forces pour qu'ils te disent qu'il est malien ou bien camerounais. Donc du coup, toutes ces deux personnes m'ont un peu inspiré à donner ce nom de cette émission. I Am African d'ici d'ailleurs. Et cette émission, elle a pour but de valoriser la culture africaine quelque part, je te dis ça tout à l'heure. Elle a pour but de valoriser la culture africaine et de favoriser la rencontre entre les Afro-Caribéens. Et sur le plateau, on discute de tout. On peut parler de Queen Vie, si elle nous énerve. Qu'est-ce que tu penses de la fille? Sur le plateau, je blaguais. Sur le plateau, on peut parler, par exemple, du retour en Afrique. Mm-hmm. Comment tu trouves? Est-ce que Nadine, tu comptes t'installer là pour longtemps? Est-ce que tu comptes rentrer? Est-ce que ça te manque de l'Afrique? On parle de tout et surtout, on partage en images un peu sur le sujet qu'on commande ce jour. Et cette émission, à la fin de l'année, on fait une soirée de gala. Inviter du monde et puis partager la culture et surtout que j'ai dit, favoriser la rencontre entre les Afros et les Afro-descendants. Les Afro-descendants, Afro et Afro-descendants, j'aime beaucoup. Comme disait Chalem à une émission comme celle-ci, ben voilà. Alors où est-ce qu'on peut retrouver ton média, tes émissions? Pour l'instant, j'ai pas encore de diffuseur comme les télés normales. Je diffuse sur les réseaux sociaux et sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Ah, vous pouvez le trouver dessus. On l'a dit, hein, c'est les médias maintenant qui changent les mentalités et qui contribuent. Cette émission, j'invite tout public, j'invite tout le monde qui souhaite participer à l'émission, sachant que l'émission est ouverte vraiment à tout le monde. C'est pas que pour les Africains, c'est pas que pour les Noirs. Donc même toi qui a un sujet qui t'intéresse, je peux t'inviter ou bien tu peux m'envoyer une proposition et puis on va en parler. Je suis ouverte, voilà. Voilà, c'est ça qu'il me dit. Et toutes les semaines, il y a des missions? Alors, je tourne beaucoup de missions et je partage. Pour l'instant, c'est un peu... c'est pas très régulier, c'est une fois par mois. Okay. Ou bien deux fois par mois, on publie... J'ai déjà vu que tu avais déjà reçu des personnes aussi intéressantes. Hein. Il y avait l'architecte. Oui, il y avait un architecte. Il y a beaucoup d'Africains qui habitent ici en Guadeloupe. Ils sont très discrets. Mmh. C'est des personnes qui travaillent beaucoup. C'est des personnes très discrets dans le travail. Quand tu dis très discrets, pourquoi discret, cette discrétion? Ils disent discrets parce qu'ils sont occupés. Ils n'ont pas le temps à consacrer à la communication. Ils n'ont pas souvent. Ils te disent qu'ils n'ont pas besoin. Ils te disent qu'ils sont là pour travailler. Ils ne veulent pas. Parce que notre communauté, il ne faut pas aussi oublier que c'est une communauté qui adore les problèmes.
qui adorent les cancans, qui adorent les palabres. Donc, donc du coup, ils ne veulent pas être mêlés à quelque chose qui va le saouler. Donc, il faut que j'ai réussi à me faire lui dire, non, mon frère, viens ici. Et voilà, l'émission partage, va se faire. Partage. Bonsoir, ton vécu. Et à cette émission, on fait découvrir un plat. Sachant que je suis aussi dans la cuisine, je me suis lancée, donc on essaie de découvrir des nouveautés, quoi. Mais justement, là, parce qu'il faut profiter, hein. Tu t'es lancée, je parle, le restaurant. Hey, c'est là, non. Le restaurant, hein, parce que alors, si j'ai envie de manger de bons petits plats africains, on parle c'est alors, où, c'est quoi? Il faut savoir que depuis 15 ans que je suis ici, les Antillais m'ont beaucoup inspirée par leurs gestes maladroits et leurs gestes droits, ne m'insultez pas, hein, par leurs gestes très maladroits et très droits. Parce que, en fait, quand je m'assois dans la rue, quelqu'un me dit, je suis Guadeloupéen, tu vois, il a un problème, je suis Guadeloupéen, mon frère. Je dis, mais pour Nadine, tu es d'où, toi? Tu es Camerounaise, d'où? Tu dis même pas de, souvent de quel côté au Cameroun tu es, parce que nous sommes des Bamilékés, et les Bamilékés n'ont pas souvent envie de dire qu'ils sont Bamilékés. Suite à beaucoup de, voilà, frustration, quand on était jeune, par exemple, moi, quand j'étais très jeune, j'évitais de dire que je suis Bamileke parce que ça fait comme si ce sont des sous-personnes. Ah. Et aujourd'hui, nous, on se relève, on arrive à parler de nous avec, avec beaucoup de. Plus d'estime, de valeur. Avec plus de soutien, plus de charisme. Moi, je dis je suis Bamileke. Du coup, cet esprit guadeloupéen de dire je suis guadeloupéen, j'ai dit, mais moi, Nadine, j'ai un projet, c'est ouvrir un restaurant. Mm-hmm. Le nom du restaurant, je vais mettre Bamileke dessus. Et dans le restaurant, je l'ai appelé Bamileke Lunch. Ah. Et ce nom, déjà, pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que c'est joli d'entendre Bamileke. Mm-hmm. Et le Bamileke Lunch, ça fait vraiment quelque chose. Et c'est dans ce restaurant, on ne parle pas que de la cuisine Bamileke. On parle de la cuisine africaine. Mm-hmm. C'est ce que je veux. On parle de la cuisine africaine et beaucoup d'éditions culinaires. On vous apprend à faire des plats béninois. Hein, Max? On vous apprend à faire des plats béninois, des plats sénégalais, nigériens, le saka saka, le ndolé, qui est un plat camerounais, le taro, qui est une spécialité bamileke, et le koki, qui est une spécialité du Cameroun. Donc, c'est à Pointe-à-Pitre, aussi sur la Chine de René Boisneuf. Et n'oubliez pas que je reste toujours dans le vestimentaire. Aussi, donc à côté. Donc, c'est juste... pas à côté. Non, c'est pas à côté. J'ai diversifié mes activités. Papa, voilà, j'ai diversifié. Papa, wow. Non, mais je veux dire, ta boutique de vêtements, elle est à côté du restaurant. Ah, à côté, oui, elle est à côté du restaurant. C'est bien ça. Et vous pouvez aussi trouver les créations directement en ligne. Voilà. Merci. Eh bien, si je fais, voilà. Merci. Publicité gratuite. Je vais aller goûter ça avec plaisir. Ouais. Nana Ama, toi, on l'a compris dans ton discours, hein, cette envie de bâtir des projets durables entre les Antilles, l'Afrique. Kemsland, Kems Consulting, tu nous expliques un petit peu ces deux. Déjà, Kems Consulting est né au Cameroun. Hein. J'avoue, lors d'un forum d'entrepreneurs où j'avais été invitée par une fondation avec laquelle j'ai travaillé et au sein de laquelle aussi j'étais en immersion en 2022, qui s'appelle la Fondation Africa Avenir International. J'ai été lâchée après. Et c'est vrai que j'ai un plaisir immense de rencontrer des cultures merveilleuses comme celle des Bamileke, en effet, avec l'Ndop, tous les plats dont elle parle qui sont succulents. Vraiment, c'est une culture riche. Et donc, effectivement, Kems Consulting m'a ouvert des portes vers des partenariats avec des entrepreneurs et des personnes surtout motivées à travailler avec les Antilles qui veulent écouler, distribuer leurs produits aux Antilles. Donc, contactez-nous. Kems Consulting peut accompagner aussi les gens qui veulent faire leur reconversion parce qu'il faut connaître les us et coutumes. Il y a des astuces pour éviter aussi... des impairs, comme on dit, on peut être condescendant inconsciemment, comme a dit précédemment madame, parce que c'est notre culture peut-être qui fait, ou notre histoire, par moment, on peut être mal compris par notre intonation, par notre façon de vivre les choses, parce que nous sommes profondément rebelles à certains égards. Donc, et pour cause, du coup, Kems Consulting aide aussi à l'accompagnement pour le projet de reconnexion en terre ancestrale. Parce que tu l'as pas dit, seulement de potentiel sur le continent. Absolument, à tous les niveaux. Donc il y a plusieurs projets qu'on peut citer, le projet au Congo, le projet Matatiebo, où il y a aussi des opportunités de valoriser des sites mémoriels comme la baie de Luango, en participant à des projets activement en termes de déjà de sponsoring, où on parle aussi de co-funding. Donc, Kems Consulting fait de la mise en relation avec des porteurs de projets qui sont situés sur la terre ancestrale pour être aussi des investisseurs potentiels, d'abord en rencontrant
les porteurs de projets là-bas. Et une fois que la mise en relation est faite, que les personnes veulent travailler et, suite à des B2B, peut-être que ça peut ouvrir des portes à des partenariats commerciaux. Partenariats commerciaux, hein. Voilà. De belles opportunités. Et il y a un réseau, pardon, qui s'appelle Kempstand, où justement j'ai un de mes membres actifs, parce qu'il me soutient depuis le départ dans ce projet, dans cette aventure, puisque c'est un projet aussi de développement personnel, parce que j'avais aussi cet appel, comme je disais tout à l'heure. Et donc Kempstand, c'est un réseau où on a des entrepreneurs, des porteurs de projets, qui travaillent ensemble, qui sont dans le réseautage, et permettent aussi cette mise en relation en apportant leur expérience, leur retour d'expérience. Il y a eu des coachs, on a fait des webinaires en 2020, par exemple, avec des coachs pour le développement personnel sur, situés sur différents territoires. On a fait des focus sur des personnes, sur les farines locales. Je ne peux pas les nommer, mais mais il y a eu beaucoup d'actions quand même menées en espace coworking pour favoriser cette mise en relation. Donc, on est open pour tous vous les partenaires. Open et il y a des opportunités. D'ailleurs, merci infiniment, Nefertari, merci. Parce que c'est grâce à vous. Hein. Puis, salut, on est même sans déjà connaître Jean-Paul, mais là, on dit, bon, voilà, bon, moi, contacte à Jean-Paul. Oh, je le connais. Ou bon, moi, également, contacte à Max. Jean-Paul, toi, tu as décidé de faire le pont aussi sur, sur cet aspect que tu maîtrises, hein, puisqu'on a dit, on a un savoir. Faire ce pas vers le continent africain, c'est aussi apporter notre savoir, c'est lyonnais aussi. Et toi, c'est sur le culturel, le patrimoine? C'est ça, le culturel, le patrimoine, l'histoire en même temps. Et c'est vrai que bon, ben, depuis maintenant 3 ans, hein, tous les 6 mois, ben, je suis au Bénin. Et en fait, au départ, c'est vrai que l'idée, c'était de déjà découvrir qu'est-ce que les copains au Bénin, qu'est-ce qu'ils ont dans leur culture ludique. Et après, très rapidement, hein, dès 2020 même, hein, quelques mois après, je me suis dit, mais ce serait intéressant de créer en fait un événement où on peut lier justement les deux. Et c'est là qu'on a créé le festival Guajaka, Gua pour la Guadeloupe, Jaka qui veut dire la joie. Donc c'était vraiment en fait la joie apportée par la diaspora, apportée par la Guadeloupe. Et très rapidement, au-delà de la création, de la mise en place du festival Guajaka, où c'était le but de lier les jeux traditionnels de la Guadeloupe, de la Caraïbe, avec les jeux du continent et du Bénin, on s'est dit, mais en fait, ce serait intéressant de partager cela, en fait, avec nos frères de la diaspora. Du coup, au-delà du festival, on a organisé maintenant des voyages de découverte. Et en fait, on fait 2 choses en même temps. Par exemple, là, on retourne là, justement, ben, à la fin du mois de juillet, hein, du 30 juillet au 13 août. On retourne là-bas où on part avec une trentaine de personnes qui vont à la fois découvrir les différentes villes du Bénin, Cotonou, Ouida, Porto Novo, etc. Et en même temps, ils pourront découvrir le patrimoine des jeux qu'on a aussi au Bénin. Donc en fait, à la fois on découvre comment le pays se situe, comment ça se passe, et on découvre aussi l'aspect culturel, mais on découvre aussi justement les gens. Et c'est ce qui est important pour moi, c'est vraiment de refaire la connexion entre nos frères de la diaspora d'ici et sur le continent, pour qu'on puisse se retrouver, se reconnecter et développer justement ben, des activités, des actions. Du coup, on a créé même par exemple une ONG. J'ai créé une ONG, l'ONG Guajaka Africa, où justement l'idée c'est de justement apporter, développer, continuer à développer les jeux traditionnels du continent et de la Caraïbe. Mais aussi, comme il y a l'aspect aussi social, hein, comme là-bas, on a quand même beaucoup de difficultés au niveau, par exemple, des travaux forcés ou des mariages forcés. Donc, l'ONG, le but de l'ONG, c'est justement aussi de permettre de rassembler, de quelque part de... Porter sa pierre à l'édifice. C'est ça, porter sa pierre à l'édifice et apporter justement, permettre aux amis de là-bas d'aller mieux. En tout cas, d'apporter justement à différents niveaux, hein, que ce soit au niveau des écoles, au niveau de l'habitat, quel que soit, de vraiment de permettre qu'on s'améliore. Ensemble. C'est surtout ça. Ils aiment dire ça d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on est ensemble. À chaque fin de phrase, quoi. On est ensemble. On est ensemble. Et voilà. Et donc, d'ailleurs, quand les gens vont là-bas, c'est intéressant parce qu'ils découvrent aussi ben, différents aspects. Ne serait-ce que la monnaie déjà, quand on arrive là-bas, quand on passe déjà de l'euro au franc CFA, c'est déjà un choc, quoi, parce qu'on devait vite millionnaire là-bas, par exemple. Et ça donc, finit et ça finit vite. Attention. Oui, ça finit vite. Faut faire attention. Le coût de la vie est le même quasiment. Hein, c'est fait. ça. Et puis en même temps, découvrir, je ne sais pas, moi, il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas eu l'occasion de faire de la moto ici.
Arrivé là-bas, tu es obligé de monter sur les M, les taxis moto, ouais. Et là, c'est encore une autre aventure. En tout cas, tu donnes envie. Prochain voyage, c'est quand? Ben, du 30 juillet, là, du 30 juillet au 13 août. On va quand même passer au Sénégal avant, parce qu'on va commencer l'introduction du... Au 13 août, okay, voilà. Mais on fait l'introduction au Sénégal quand même, quoi, entre le 23 juillet et le 29 août, où justement, on va voir aussi ce que les copains du Sénégal ont comme richesse ludique au niveau des jeux traditionnels. Magnifique. Jean-Paul, pour les moun, Balewa, c'est ça? C'est ça, pour les moun qui veulent une information là, qui veulent suivre ça au café, etc. Moi, je vous apporte un qui l'a rel aussi au caille. Là, je peux nier toutes ces informations là. Alors, vous pouvez déjà ici les réseaux, hein, si Facebook, vous pouvez crier, vous pouvez taper Gouajeka ou Kiko Jean-Paul ou voilà. Ou aussi, hein, vous pouvez crier nous hein, au 06 90 74 66 96. Ou bien aussi, si Instagram, hein, vous pouvez taper Gouajeka, jeu traditionnel Guadeloupe. Vous pouvez tomber sur nous et il y a toutes les informations concernant le travail, le voyage. Oui, j'ai oublié de dire, on est en train de travailler sur un projet aussi pour le Cameroun. Oui, donc, à la fin de l'année, là. Vous êtes contacté par la fin de l'année parce qu'il y a le Pan African Awards, oui. Notamment à Yaoundé. Ah. Donc, oui. On a des projets en cours avec Balewa pour faire aussi du tourisme d'affaires et du tourisme mémoriel au Cameroun, mais pas seulement. Il y a des opportunités aussi en Côte d'Ivoire. On n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire. Et là, c'est l'Eldorado pour le coup. Ah, tu vois, c'est faux. Affaire à suivre. On va dire le numéro de téléphone à donner à nouveau. Oui, alors 06 90 74 66 96. Et donc, à partir de là, on pourra avoir toutes les informations pour le voyage et pour d'autres choses aussi. Hein. Notamment, par exemple, justement, ben, les terrains. Les gens qui veulent justement... quand on va là-bas, on découvre le pays, on découvre aussi ce qu'on peut investir, comment Mais on peut développer. Ça, hein. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un voyage pluriel. Avec l'aspect tourisme solidaire et éco-responsable. À toi, viens d'arriver à Jean, j'ai oublié ça. Non, mais c'est bien le côté investir, hein, parce que même en cas de suivre l'émission, là, investir au pays, et vraiment ça. Là, en Côte d'Ivoire. Camoune en Côte d'Ivoire qui a investi en Côte d'Ivoire. Philippe Simon. Oui, tout à fait. Ils sont connectés un peu. Max. Et Simba Mileke. Oui. Et nous sommes fiers. Hein. Max, vous qui emballez là, nous venons faire émission là ça quand vous t'es invité hein, les personnes qui les mondes qui a hésité à partir, les mondes qui peut-être n'y ont encore des petites croyances limitantes hein, de retour d'expérience ça vous qui j'ai bien installé qui fait le choix de pas faire bitin allez vini nous va écouter mais il y a je sais pas t'as dit que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intérieur à chaque personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner vraiment de... Je ne peux pas donner de... Je ne sais pas moi, de règles générales pour tout le monde, mais moi, en tout cas, c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. C'est mieux de faire faire. Parce que, vu toutes les difficultés qu'il y a à tous les niveaux, moi, je suis entrepreneur. Mais c'est-à-dire que moi, je sens aller. C'est-à-dire que... Ce qui est bien ici, c'est que tu n'as pas tout l'apanage de toutes les lois européennes qui nous empêchent d'entreprendre dans tous les sens. C'est un peu plus facile, mais en même temps difficile parce que il faut s'adapter. Il y a un temps d'adaptation de toute façon, parce que c'est quand même pas la même façon de voir les choses que de là où on vient. Hein. Mais à côté de ça, c'est beaucoup plus intéressant. En tout cas, toi, tu es heureux, Max. Voilà. Ou content? Oui, forcément, ça c'est clair. Bien que les moments, dans la vie d'un entrepreneur, de toute façon, rien n'est facile. Mais à côté de ça, quand je me remémore mon travail d'entrepreneur en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, en République dominicaine ou au Chili, et quand je me remémore ce que je vis au Bénin, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas photo. Une dernière question pour toi, mon meuf, et c'est une grosse coupée. Une dernière question pour toi. On a posé la question sur le Facebook. Comment l'Afrique peut nous attendre si ses gouvernements ne nous proposent pas de binationalité? Ça dépend du pays, mais en fait, plus on va retourner, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que plus on est nombreux, plus on pourra être force de proposition pour ces gouvernements. C'est-à-dire que...
C'est toujours pareil. C'est nous qui allons mettre, puisque là, on a un ministre du tourisme qui est guadeloupéen. Donc, automatiquement, les choses vont se décanter. Moi, je suis très positif en la matière. En tout cas, ils font un travail de fond inconsidérable pour faire avancer cette question de la naturalisation des Afro-descendants. Mm-hmm. Compte tenu de notre histoire, il y a une démarche à faire, des papiers à fournir, etc. Très, très, très bien. Merci beaucoup pour cette information. Un dernier mot pour toi, Nadine. Alors, allez découvrir votre pays, allez découvrir votre continent et soyez fiers. N'ayez pas peur. Si vous avez peur, n'allez jamais vous lancer. Il faut attendre, on ne va jamais le faire. Donc, allez-y. Et si vous voulez commencer par goûter, par tester... commencer par goûter le saka, le ndolé... Mmh. Et non, là, ce n'est pas une blague. Le restaurant que j'ai ouvert, ce n'est pas qu'un restaurant. C'est aussi un lieu qui vous fait découvrir l'Afrique autrement. Là, quand vous entrez là, c'est aussi un lieu culturel. Ce n'est pas qu'un restaurant à s'y manger vite fait partie. Non, c'est un lieu de découverte. D'ailleurs, vous pouvez même tourner vos émissions dans ce restaurant. Ce n'est pas qu'un restaurant. Ça, c'est vraiment un lieu à découvrir. J'ai les alobams. Le technicien Jordan me fait signe. Pour des chaînes audiovisuelles du Cameroun, je suis intéressée à tourner chez elles parce qu'on a le bois tendu de télévision, je peux les nommer, Pyramide TV, Dash TV, télés du Cameroun, et je suis sûre que faire une émission à votre endroit, ce serait vraiment formidable pour l'autre en appel. Il y a une émission qui a été tournée chez moi. D'accord. On n'arrête pas la connexion, la reconnexion, la connexion à soi. Non, voilà, nous arrivons à la fin de cette émission et nous allons partir sur le dernier camo. Il est parti à présent, 22h22. Il est parti avec David Eros, notre parolier. Nous sommes entre nous. Ah bon? Alors, j'ai encore fait toute la bite. J'ai des besoins de la game, comme ça, dernier. Eh bien, ok. Retour aux sources ou Eldorado? La question a été posée sans jeu de mots, mais il est des mots force de tracas qui, sans abracadabra, font jubiler un petit. Si vous regardez Kazawan dit dans Kazamoun, c'est normal qu'il vit en ses vies en d'autres mondes. Ça a qu'à régner son crasse qui tauta qui roussorti. Un genre de maladie qui a construit baillé à l'entour à l'esprit. Pas quoi qui vérité à vous, c'est forcément à l'autre là. Pas d'avoir pas tout dit même bête, même poil. Tout n'est pas ni même couleur, même culti, même pays. Mais tout n'est que sorti en selle et même côté. Kama, la magnifique, est honorée par nos invités. Mais les questions me posent question. Car l'Afrique fait partie de moi. Alors je n'ai nulle obligation de la chercher en quelque endroit que ce soit. Si ce n'est dans mon éducation, ma culture. Travaille à Sisaka, joigne-nous, Pito, Kisaka, bonne-nous, chaîne. Nefertari, maîtresse à manioc, kafounama, plein de choc. Qu'on a dit, kafouté vérité, Angela Moon. Quoi qu'il en soit, Samoun Kedi, il bayadan, mais sans méchanceté. Parler des emballages pour vrai, avant d'autres yeux qui t'a certain télé, pour constater qu'Africain pas chien fin. Afrique au positif, surpendantif, pour toujours songer, qui t'a là ou quoi coûter là, pépa pillé, mais au qui lit, et puis que j'en permets tout façade et vous-même à haut. Aïe, pas qu'on pose nous et chez Kanouye. Suive-nous aussi, c'est une piste qui max suive pour dévirer et plonger en bassin à Bénin, nager pour toucher l'horizon en vie choisie. C'est vrai qu'il parole qu'à vie voltée, qu'on papillon fait moun voyager via diaspora, qui pète tout partout si la terre a commencé en tête. Tête mal aux têtes, sans tête, bois négoua. Nous aimons faire conscience pour bonbons, fait j'ai sans comprendre qui juste jodi là nous manipuler. Filant nous, si nous, et nous qu'a dénigré ça qui nous sans même voir à hack. Le problème n'est pas isolé mais répandu. Comme une institution sointant son pu, un peu par-ci, un peu par-là, mais rassurez-vous mes frérots, tout est de notre faute. Même la clim s'y met en pleine compo, le nez coule, mais le sentiment bami les quais, mais en coquille. Kama se veut délicieuse, savoureuse à souhait. Plus enjoy life, grâce entre autres à Safia. Ou Jean-Paul en mode jouer thérapie Guadajaka. Voyons-nous open pour faire spirituel lianné, patrimoine, jouer pour l'esprit et non maillé. Trouvez-nous, voyez-nous, moignez-nous, la babatèse, acceptez-nous, aimez-nous, aimez-nous. Passe-nous ensemble et nous en vie fun, pas d'ayé, bois-la, en bas-là, en nous. Non, mais qu'à sniff en mêlé. Mais en quoi comprendre que Côte d'Ivoire sont Eldorado?
Retour aux sources au Eldorado. La question a été posée sans jeu de mots. Mm-hmm. Mon disque dur charge et mes yeux clignotent à grand débit qui, sans abracadabra ni artifice, me sortent une idée de génie. J'ai choisi de faire de mon retour aux sources un Eldorado. Aïe, aïe, aïe! C'est le temps d'arrêter. C'est parole qui dit parole. Voilà, lorsqu'on parle de sujets comme cela qui nous tient à cœur, nous n'y avons l'obité à dire. Peut-être que nous allons faire un volet 2, comme chaque émission d'ailleurs. Nous toujours qu'à dire ça. En tout cas, merci infiniment à mes invités de ce soir. Merci pour votre participation. Merci de nous parler encore une fois sans langue de bois, surtout à Tché Ouvet. J'espère que vous avez apprécié. Et puis nous, on se donne rendez-vous le mardi de la semaine prochaine en belle bobazote. Merci, Gilles.